Ça va? Ça marche? Oui, oui. Où en es-tu? Tu rédiges? Et tu as fini le plan du livre? Je ne fais pas exactement de plan, je trace des lignes, des directions à prendre. Mais tu devrais faire un plan détaillé. Moi, avec mes élèves, j'exige toujours qu'ils fassent un plan. Comme ça, ils savent exactement où ils vont. Leurs phrases sont plus nettes, plus concises. Il n'y a pas de verbiage, tu comprends? Oui, mais pour un livre, ce n'est pas la même chose. Pourquoi non? C'est toujours de l'écriture. À des niveaux différents, bien sûr. À l'école, on insiste surtout sur la grammaire et le vocabulaire. Non, je comprends, ça n'empêche pas. Si tu veux vraiment faire quelque chose de valable, tu auras beau avoir toutes les idées du monde. Si elles ne sont pas exprimées clairement, ce sera faux et qui plus est, fabriqué. Mais mon chéri, le problème n'est pas là. Non, après tout, c'est ton livre, hein, mais moi, à ta place, je ne m'y prendrai pas comme ça. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Bon, ce matin, j'allais préparer le dîner. Il est déjà 7 heures.